Voilà, donc ici un petit morceau sympa à jouer qui est pas hyper compliqué, mais il y a des petites parties qu'il faut savoir, un peu pas pour les débutants mais pour les novices. D'accord, très important. Donc je vais vous décortiquer un petit peu chaque partie et ce sera à vous de les bosser par cœur. D'accord, donc si vous avez accompagné ce morceau, l'idéal c'est quand même de savoir quasi par cœur. Avant d'entamer ce morceau, et si vous devez le jouer en live, l'idéal c'est de le savoir par cœur, d'accord? Donc moi je l'ai lu un petit peu, donc parce que c'est des parties que je connais, que j'ai déjà travaillé, donc j'ai pu me permettre de le lire pour vous le décortiquer. Donc je vais vous décortiquer chaque partie ici. La première partie c'est la partie d'intro, la voici. Voilà, la deuxième partie, c'est le groove de base, d'accord? C'est le groove qu'on fait quasi tout le morceau. Voilà, le voici. Donc la partie suivante, c'est la partie qu'on fait sur le Charleston à deux mains. Donc ça, quand on est novice, on a parfois du mal à passer de passer à deux mains. D'une main à deux mains sur le charleston. Donc ça, c'est un boulot qui est à faire aussi. D'accord, l'idéal, c'est de faire un travail en profondeur là-dessus. Mais voilà, celui qui veut se restreindre, il peut tout doucement travailler dans le morceau, ces passages-là, qui pouvoir profiter dans d'autres contextes de la musique de ces choses-là. D'accord, de passer d'une main à deux mains. Donc dans la partie suivante, c'est la partie où on va mettre deux ouvertures de Charleston avec la caisse claire sur des contretemps croche. Et on va sur une des caisses claires, on va rajouter un petit décalage de grosse caisse sur une double croche. Attention, c'est pas facile du tout à exécuter, donc c'est à travailler, à travailler, 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 jusqu'au temps que ce soit exécuté avec facilité et avec précision. D'accord? Voilà, la partie suivante, c'est le petit break qui est pas compliqué à exécuter, qui est joué en passant sur la cymbale. Je pense qu'il. Il est aussi exécuté en passant aussi par le Charleston. Voilà, rien de bien compliqué dans ce morceau, c'est à vous de bosser chaque partie correctement et à de jouer et de vous faire plaisir. C'est un très chouette morceau accompagné. Allez, à bientôt, ciao, et j'espère que ce petit morceau vous aura plu. Pour une fois, je fais un petit morceau pour les novices, c'est rare, mais je pense que c'est important. D'accord? Allez, ciao. En plus, bon, je l'ai fait sur la batterie électronique, donc c'est assez sympa à jouer. Ça me permet aussi de développer le son sur cette batterie. Allez, ciao! Kiss me.